Devinez de quoi ça parle. Il y en a un indice sur votre écran. Bonjour tout le monde, ceci est une vidéo assez récapitulative de la CamoCon. Je crois que ça va être fait comme l'année dernière en fait parce que j'ai beaucoup trop profité de cette édition au point que j'ai la voix un peu cassée. Mais c'est pas grave parce qu'on aime ça. Mais parce que quand même, hein, la dernière fois, c'était long et chiant et qu'il n'y avait pas d'ambiance. Cette fois-ci, j'ai mieux pendant que je vais parler. Petit fond sonore. Quelques cosplays que j'ai pris, quelques photos aussi, ça va être bien. Donc cette CamoCon, qu'est-ce que ça était? Eh ben c'était vraiment, je pense, pour le moment, la meilleure édition. Beaucoup d'améliorations, des gens très sympas, des visiteurs très gentils, très nombreux, des cosplays magnifiques, des invités très très gentils, que ce soit Fildrong, Ico, Framboisette, Étagère, Newtiteuf, Guillaume et Kim, Haricot TV. Et bien sûr, notre cher Oponibonas départemental. Vraiment très sympa. Les animations étaient super cool. Les gens étaient vraiment sympas. Je garde un excellent souvenir. Les cosplayers professionnels aussi. Léon Giron qui est revenu une deuxième année au taquet, que ce soit samedi et dimanche, surtout le dimanche avec le changement horaire. Ce mec est vraiment génial. Je sais pas s'il comprend le français, mais merci beaucoup d'être venu. J'espère que si c'est possible pour une troisième, si c'est possible pour toi de revenir une troisième fois, ce sera avec grand plaisir. Après, je peux en dire que du bien parce que vraiment, j'ai passé un excellent moment. Que ce soit juste en étant staff et même en tant que visiteur, j'ai quand même pu profiter. Une ambiance incroyable. Je me répète, c'est extrêmement énervant pour moi et surtout pour vous, mais vraiment merci aux invités, merci aux exposants, merci aux cosplayers, aux cosplayers pro et aux cosplayers visiteurs. Vraiment incroyable, c'est eux qui font vivre la GameOcon et ça c'est vraiment génial. J'ai pu recroiser quelques personnes que j'avais vues l'année dernière. Ça m'a fait du bien, discuter, parler. Et voilà, donc vraiment, je vous conseillerais, pour ceux qui veulent en savoir plus sur la CamoCon, de chercher ça sur YouTube. À partir de la semaine prochaine, je pense qu'il y aura beaucoup de vidéos qui vont paraître, que ce soit de visiteurs ou de professionnels. Allez voir aussi les Twitter et Facebook, il y a pas mal de choses qui se partagent en ce moment, que ce soit au niveau des photos. Ça vous donne envie, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, qu'est-ce que j'ai ramené au niveau de cette année? Bah, comme d'habitude, le fameux écusson staff. Savoir qu'il y en a eu aussi pour les invités et bah, le reste. Donc du coup, il va s'ajouter à la longue aux deux précédentes années qui étaient qualités. Mais cette année, surtout en édition limitée pour ceux qui le voulaient. Il y avait ceci, c'est un écusson collector style Jurassic Park. Très très beau, avec un concours pour gagner ce même écusson. En plus gros, en double en fait. Je ne sais pas qui a gagné, ce n'est pas moi hélas, mais j'ai celui-là. Il est très beau. Je pense que j'essaierai de le foutre en fond à un moment. Qu'est-ce que j'ai pu trouver aussi? Ah oui, parce que cette année, on a de nouvelles éco-caps. Du coup, j'ai pris les trois autres couleurs. Pas besoin de le dire, mais orange, jaune et rouge qui vont très bien avec le vert. Ce qui fait que maintenant, il m'en manque un et j'ai bientôt les futurs Power Canard. Et aussi, alors je l'ai derrière normalement. Où est-ce que je l'ai mis? Non, il est là. Et aussi, parce que c'est un petit rituel que je me permets d'avoir sur l'affiche A3 de la CamoCon. Alors, ça ne se verra sans doute pas, mais il y a la signature d'à peu près tous les invités. Sauf Newtiteuf que je n'ai pas vu à temps pour la signature, mais j'ai le reste. Que ce soit au niveau des invités youtubeurs, mais aussi des invités dessinateurs, j'ai complètement oublié d'en parler. Les invités dessinateurs qui étaient vraiment très sympas aussi et qui ont du talent. Donc, si je me souviens bien, il y avait Le Bestiau, il y avait Nawak et il y avait une troisième personne dont j'ai oublié le nom. Je suis désolé, mais je rajouterai ça en post-prod. Et surtout, je vais faire un petit teaser. Du prochain Real Time. C'est pas la plus grosse trouvaille que j'ai pour l'instant, mais je pense que c'est important d'en parler. J'ai trouvé le MMO physique que tout le monde parle, que vous devez connaître.
Dark Age of Camelot en physique, Wanadu. Hein. Je vais pas vous nous en montrer plus, mais sachez que je suis très content de l'avoir trouvé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo récapitulative en tant que staff vous a plu. Je vais laisser là, voilà, staff, parce que j'aime montrer que je suis privilégié, absolument pas. Je vous invite vraiment, encore une fois, à aller regarder les autres vidéos qui vont sortir soit sur YouTube, soit les photos que vous pouvez trouver sur Facebook ou Twitter pour vous donner une idée de ce que ça a été. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais continuer de dormir parce que j'ai à peu près quelques heures à rattraper de sommeil. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a donné envie. Bon, j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine à la 4e édition. Merci à tous. Bon jeu et à la prochaine pour une autre vidéo.